En ce jour, 28 janvier 2023, nous sommes dans la commune de Bousma pour suivre l'Académie royale du chœur de Bousma qui se déroule chaque 2 semaines pendant les soirs. Nous voyons que tout est en fait prêt pour le début de la cérémonie. Mais cette cérémonie ne pourrait sans doute commencer sans la présence du chef. Alors, hommes, femmes, enfants et vieillards entendent à travers la musique traditionnelle l'arrivée du chef pour le début de cette cérémonie. La toti biga wa nanga wawa biga baba ngel mi kam ti hanka bokwe ya ko biga ya bi enta ya bla tase sit kana anje ma ye ye ti ya biga da biga bra me kele ogom fama ti bi na udu waka ti bi le 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 wa tanwa tuda fo ya ni ke ma ti ma mi ko bu wa ko ibe wanti ya man chupin na na ndoga mi ngazabra ti bi et ma Vous-même, vous le constatez, la séance a répondu à toutes nos attentes. Au regard non seulement de la qualité des comptes qui ont été donnés, mais aussi de l'assistance qui a été une très grande mobilisation pour un début d'année, nous pensons que c'est un bon signal. Et nous invitons tous ceux qui sont venus et toutes celles qui sont venues à persévérer dans l'apprentissage à travers ces espaces de comptes. Parce que l'éducation moderne à elle seule ne suffit pas pour que nous soyons des hommes complets, pour que nous soyons des femmes complètes. Il faut donc la dose traditionnelle pour nous permettre de prendre la coloration locale en termes de valeurs, en termes de tradition, en termes d'acceptation des autres, de tolérance et de culture de la paix. C'est à cette séance que l'appel de Sa Majesté Naba Sigiri Rima de Bousma nous rappelle l'importance de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans la diversité, instrument efficace pour la paix que tout un chacun devra user pour le retour de la paix dans nos différentes localités.